Du 20 décembre 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Veuillez l'applaudir et l'acclamer. Merci infiniment. Deuxièmement, je dis qu'il faut faire le bon choix. Tout le monde passera par ici. Tout le monde va promettre les mots et merveilles. Mais comme vous le savez, il faut juger les gens par les actes, par les œuvres. Et notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré de quoi il est capable. Effectivement, il a beaucoup réalisé en si peu de temps. La question de la sécurité, c'est son souci numéro un. Malgré le complot international, malgré l'agression dont nous sommes l'objet, il tient mordicus à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national et en particulier ici, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes confiants et nous sommes sûrs qu'il va y parvenir avec le concours du peuple. Parce qu'il n'y a pas meilleure armée que le peuple. Et le peuple congolais, il est prêt à l'accompagner dans cette victoire, dans la reconquête de notre souveraineté, de notre intégrité nationale et territoriale, mais aussi dans la libération économique. Mais pour qu'il réussisse, nous devons lui doter d'une majorité écrasante. C'est pour cette raison que l'AFDC alliée, l'AFDC alliée, a tenu aujourd'hui à montrer à la face du monde ses candidats députés nationaux, ses candidats députés provinciaux du Nord Kivu, en particulier de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo. Je voudrais également dire ceci, que nous pouvons faire confiance à ces équipes que je viens de présenter. Les communaux aussi, les conseillers communaux, nous allons demander que les conseillers communaux aussi, ceux qui sont des candidats, qu'ils viennent ici, les conseillers communaux, qu'ils viennent ici parce que nous devons gouverner à partir de la base. C'est très important. Nafurahi sana kufika hapa Goma kukutana na nyie ili tuungane mkono, kwani wakati umefika, wakati imetimu, wakati ya ukweli, wakati ya kuangalia namna gani nchi yetu itaenda miaka tano ijayo. Mbele ya yote, tunatoa tuba na vile vile tunasema ati tunampigia Mwenyezi Mungu mikono, kwani yeye ndiye alifanya tunafika hapa. Tumupigie Mwenyezi Mungu mkono. Ya pili, nasema kwenu nyinyi wote wengi mumefika hapa, nasema asanti sana. Kumbe tujipigie na sisi wenyewe mikono. Ya tatu, mnajua kama
Campagne électorale imekwisha kuanza. Toka tarehe 19 Novemba mwaka huu. Na mulifuata vile tokea Kinshasa mkubwa wa nchi aliweza kusema anafungua njia ya kampanye elektorali. Mkubwa wa nchi bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo numero 20 ambaye yeye ni kandida wa regroupement zetu zote mbili AFDC A AEDC A ambayo zote mbili ninazisimamia. Ni kusema ati hii wakati mutasikia mengi, watu watakuya kuwapatia maagano fulani, ahadi fulani, promese fulani, ati mimi nikifika hapo nitaongoza vizuri, nitatengeneza maisha yenu vizuri, mambo yote taenda salama. Ila unajua ni vizuri kuyua mtu mwenye uko naye, ule ulisha kutembea naye, unayua tabia yake, unayua uwezo wake, na unajua vile vile shida zake. Ndiyo maana sisi tunasema leo hii hakuna mtu mwenye hawezi kusadiki kama Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kweli anapenda nchi yetu, kweli anapenda amani irudi katika nchi yetu. Ila mnajua maadui walijitayarishaka zamani, wanatia mitego hapa na hapa, wanaungiwa mkono na hizo mapuissance mnajua. Ila hakuna puissance yenye inaweza kushinda peuple congolais, haiko vile? Na ndiyo maana tunasema tunapaswa kumaliza hiyo vita na itaisha. Tutamaliza hayo na presidenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mengi alifanya haiko ya kutaja, kwani kweli mengi alifanya katika miaka chache iko mengi. Na leo hii nilikuwa nasema ati tufungue macho sisi waraia wa Kongomani, sisi waraia wa Nord Kivu, sisi waraia wa Goma, tufungue macho, wasitujanganye. Mnajua kama mwerevu anaiwaka nini anaweza kusema ili umupatie, ukisha kumupatia anageuka chui. Na ndio maana tunasema tufanye hange. Ni vizuri kuaminia mtu ule unajua makosa yake na unajua uwezo wake na utashi wake. Ndio maana sisi tunasema ni vizuri twende mbele na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tumupatie mandat ingine. Sasa kwa yeye kwa sisi kumutia hiyo mandat, inabudi vile vile katika mabunge ya juu na ya chini tuwe na wabunge wengi ambao wataleta majorite kwa presidenti wetu ambaye tutamchagua numero 20. Ndiyo maana tunasema leo hii tulikuja hapa kwa kusema kweli muaminie wa kandideti wetu, kwani tulichagua kabisa wa kandideti ambao wanastahili, ambao walionesha mapenzi kwa raia, ambao wapo tayari kutumikia raia, tena miaka hii itafika miaka 5. Ndiyo maana leo hii nitasema ati wa kandideti wetu wote tuanzie kwa bunge kuu Assemblée Nationale, wa kandideti député nationaux, nitawaomba
naomba wote wasimame waje hapa nyuma yangu. Wakuje hapa nyuma yangu hapa.